te lèves le premier, toi. Ah, t'as raison, il est trop de bonheur. Bonsoir. Minute! Viens ici. C'est de ta faute si mes yeux sont cassés. Ben oui, mais maman, tu vois bien que ma journée a mal commencé. Là. Regarde le dégât que je t'ai fait faire. Moi, samedi matin, là, à 9h, je suis pas du monde. Si je reste ici, je vais faire d'autres dégâts. Aussi bien retourner dans mon lit, là, puis tout a recommencé ça en neuf. Ben, tu feras rien en neuf avant d'avoir ramassé ceux qui sont par terre. Tiens. Comment ça se fait, normalement? On dirait que t'es moins naïve qu'avant. Oh! J'ai jamais été naïve! Même quand t'étais petit, là, tu t'en apercevais pas, mais au fond, je t'ai toujours fait faire ce que j'ai voulu. Voyons. J'ai jamais été naïve. Ben oui, ben oui. Mais vas-tu m'écouter, Pierrot? Je te dis que je suis loin d'être naïve. J'ai toujours été très au courant de tes petits stratagèmes, là, pour me forcer à ramasser les dégâts que t'avais faits. La seule différence, c'est que maintenant que t'as grandi, ben, je te laisse plus faire. Ah. Hmm? T'as compris? Ah, oui, maman. Bon, ben, maintenant, là, qu'est-ce que je te fais pour ton déjeuner, mon petit trésor? Oh. Ça presse pas, je vais attendre les autres. Ah, oh, ben, si c'est ton père que t'attends, oublie ça. Ça m'étonnerait qu'il se lève de bonne heure. Moi, j'ai vu ça en rentrant hier soir. Hey, tu sais que c'était la première fois que je le voyais pacter? J'espère que ça t'a pas trop traumatisé, comme ils disent à la télévision. En tout cas, là, moi, maman, je pense que je l'aime mieux pacter. Il est plus drôle. Ça fait donc du bien de l'entendre dire « M'a dit une affaire, puis oh, je m'en sac. Je me sac de tout. » Ris pas de ton père. Sa semaine a fini avec des durs coups hier. Hey. Tombe sur Hector déguisé à commission scolaire, perd sa promotion. Je le comprends d'avoir bu un petit peu trop. Voulez-vous arrêter ça, la tête va m'éclater? Je pense qu'il est dépacté. Est-ce que ça serait trop vous demander que de parler moins? Oh, le truc. De la glace. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh, ça fait du bien. Ah. Oh, excuse. Qu'est-ce que c'est ça? Mais quoi? Il y a 5 couverts. Parce que je sache, on est seulement 4 dans la famille. Oui, mais t'oublies grand-papa Hector. Que... Il est encore là, celui-là. Ça fait 3 jours en ligne qu'il couche ici. Est-ce qu'il va coller jusqu'à ce que maman tombe enceinte? Je pense que t'as raison, Pierrot. J'ai raison de quoi? Ben, moi aussi, je l'aime mieux pacté. Comme tu dis. Madeleine, vous tombez sa tête! Non, vous. Tu vois pourquoi il faut toujours frapper avant d'entrer, Bertrand? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est une valise. Votre valise? Ah, on peut rien vous cacher, hein? Bon, ben, viens avec toi. J'avais bien qu'on pourrait pas garder la nouvelle bien longtemps. Ben moi aussi. J'ai des nouvelles pour vous autres. Bonjour le monde! Ah, bonjour! Vous l'avez bien dormi? Ah oui, grand-papa, à vous! Ah, mon Dieu, moi j'ai rêvé que je faisais l'amour à la plus belle femme du monde. Je me suis réveillé, puis je me suis aperçu que c'était vrai. Oh! Oh. Je comprends pas. T'es un amour! Non. Gertrude! Veux-tu arrêter ce bulldozer-là une fois pour toutes? Mais j'ai pas de vin. Je pense que c'est à vous. Pierrot, Gertrude, Bertrand, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Vas-y, Hector. Non, 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 vas-y, toi. Non, 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 c'est à l'homme à faire ça. mes chers amis, je sais pas de diable comment vous annoncer ça, là. Mais dites-le comme ça vient! Vous avez raison, mon Gertrude. Comme ça vient. Ah. Mon fils. Voyez-vous, lui? Oh, ça me fait
plaisir, monsieur Potvin. Ah, oh, grand-papa! Vous, elle et vous, vous et elle. Eh oui, Bertrand, ils vont se marier. Ah. Oh, 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 excusez-moi, mais un mariage, ça me fait toujours pleurer. Vous, vous. Oh, inquiète-toi pas, Bertrand. Il va te demander sa main. Hein? Il va vous la donner, monsieur Potvin. Il va vous la donner! Mais une seconde, là, juste une seconde. J'ai pas du tout l'intention de vous demander la main de Marie-Rose. Vous déménagez pas? J'aurais plutôt l'intention de vous demander son épaule. Pourquoi son épaule? Ben parce qu'on veut juste sa côté. Mais oui. C'est au bout! Bravo! Vous accotez sur quoi? Bertrand, on n'a pas le choix, hein? Premièrement, on n'a pas les moyens de se payer un appartement. Puis deuxièmement, si on se marie, le gouvernement va diminuer nos pensions de vieillesse. Qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Mais ils essaient de te dire que... qu'ils vont rester ici. Jamais compris! Mais fâche-toi pas, Bertrand, ça te fait mal! Si on m'avait dit que j'aurais affaire à un gigolo de 72 ans un jour... Ah, ben là, Bertrand, non! Non! Vous l'avez, la réponse, maman! C'est non! Monsieur Potvin, servez-vous de votre valise. Papa! Qu'est-ce que tu veux dire par là, Bertrand? Une valise, c'est faite pour voyager. Monsieur Potvin, allez voyager ailleurs parce que moi, j'ai mon voyage! Bertrand, je te préviens, si Hector part, moi aussi, je pars. Bon, bien, à table, tout le monde, hein? Ça voyage mal sur un estomac vide. Bertrand, tu peux pas laisser faire ça. Ils vont s'en aller. Je peux te dire une chose, Gertrude? Mais quoi, quoi? Mon mal de tête est parti. Quel homme j'ai marié! Si encore c'était sa belle-mère, je comprendrais. Mais c'est ma belle-mère à moi, puis je suis pas capable. Enfin, presque. C'est du bluff. Elle partira pas. Elle fait semblant de partir pour me faire accepter son job, mais elle partira pas. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est du bluff? Où est-ce que tu veux qu'il s'en aille? Ben, rien n'empêche, Marie-Rose, que si tu m'avais pas connu, ben tu serais pas dans ce pétrin-là. C'est pour ça que je t'aime tant. Mais écoute un peu, Marie-Rose, à un moment donné, il va falloir que tu regardes la situation en face. Tu comprends? On n'a pas les moyens d'aller louer une suite au Ritz. On n'a pas les moyens de louer le commencement. Never mind la suite. Tout va très bien, madame la marquise. Tel que je vous connais, la grand-maman, vous, vous avez quelque chose dans le fond de la tête. Mais oui. Imagine-toi donc, mon fils, je le connais depuis qu'il est petit bébé. Il y a encore. Fait que j'avais prévu sa réaction, et quand on prévoit la réaction, on trouve la solution d'avance. Vous partez pas pour vrai, hein? C'est du bluff, hein? Vous venez donc vous asseoir sur la valise, j'arrive pas à la fermer. C'est pas du bluff. Hey, c'est quoi la solution, grand-maman? C'est quoi? C'est... Ben ouais, il aboutit. C'est une surprise. Non, non, et pas peur. Ça nous coûtera pas un sou, puis tu vas te sentir assez bien, je te le jure, Hector. Ah ben, ça y est, m'emmène en Floride! C'est pas du bluff! Tu penses? Elle me l'a dit que c'était pas du bluff. Tant qu'elle te demandera pas de t'asseoir sur sa valise, c'est du bluff. Mais c'est déjà fait! Gertrude Bertrand, le maman est venue de se dire bonjour. T'es content, là? Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais nos vies maintenant prennent des sentiers différents. Est-ce qu'on peut savoir où vous allez rester? Juste pour vous faire suivre votre courrier, là. C'est une surprise. Le moment est venu de dévoiler la surprise. On s'en va rester chez la fille d'Hector. Hey!
Tu vois bien que c'était pas du bluff. Marie-Rose. Garde-le, là. Il s'attendait pas à celle-là, hein? ça n'a pas de bon sens. Oui. Voyons, maman. Marie-Rose. Non, mais regardez-le, là. Regardez-le. Marie-Rose! Écoute un peu, Marie-Rose. Écoute, il y a deux jours, j'ai dit à ma fille que je déménageais ici. Ben, 2 heures plus tard, ma chambre est allouée pour 2 ans. C'est vous autres qui avez l'air fin, là. C'était du bluff. Ah ben, ils l'emporteront pas en paradis. Grand-maman? T'es, monsieur Séguin, je veux dire, on n'a pas le choix, faut se rendre à l'évidence. Vous êtes le plus fort. Enfin! Tout va très bien, madame la marquise. Mais Rose, tu peux cesser de t'inquiéter. J'ai parlé à ton fils, puis il accepte de te reprendre. Jamais! Ah, Marie-Rose, tu vas être raisonnable. Comprends-tu? J'ai été obligé de m'humilier devant ton fils. Je ne veux pas être obligé de recommencer. Hey, j'ai tout fait ce que vous m'avez dit, là, grandement. Tout est prêt. Hector, on redéménage. Ah non, pas encore. Comment ça se fait, Bertrand? On a gagné, là, puis moi, je me sens mal. C'est parce que t'es pas une bonne joueuse de poker. Toi, t'es un trop bon joueur. Faudrait qu'on te rebrasse le paquet, des fois. Bien, c'est déjà fait. Hector, dis bonjour. Ah ben là, moi, tout ce que je me sens capable de risquer, là, c'est au revoir. Pauvre maman. T'as beau être un très bon joueur de poker, Bertrand. Moi, là, j'ai l'impression qu'on a juste un petit 2 de pique dans les mains. Voyons donc, calme-toi, Gertrude. Ils sont encore dans l'escalier, puis ils attendent. Je sens! Calme-toi! Ah, elle est pas pire, ma mère, quand même. Elle est allée jusqu'au bout. Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Dans 3 secondes, 3 petites secondes, la porte va s'ouvrir avec ma mère repentante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2721, 2722, 2723, 2000... Ça y est! Qu'est-ce que je t'avais dit? Voyons, lâchez-moi, mais touchez-moi pas! Mais, je viens pas de me toucher, Alors, on fait du camping sur mon terrain. Oh! Ouais, ben moi, j'en ai tout vécu. Oh, inquiétez-vous pas pour nous. C'est juste mon fils qui nous a mis dehors. Viens-t'en, Hector. Ouais. C'est le temps, là, le club de plaisir. T'es fait tout à mesure que je vais le faire. Bon, oublie ça. De toute façon, moi, je trouve là, qu'il lâche pas vite, ton fils. C'est vrai, t'as dit que la honte, ça a pas l'air de le déranger diable, ça. Ben, s'il le faut, on va passer la nuit. Elle va être défaite, la valise, Hector. Je peux bien la défaire, ma valise, mais la seule place où je peux mettre mon linge, ça va être sur ta valise, à toi. Oh, sois positif, Hector, sois positif. Oui. Ah, ben, je l'ai! C'est pas compliqué. Je vais mettre mon linge dans ta valise, puis je vais mettre ton linge dans ma valise. C'est pour votre bien autant que pour le mien que je fais ça, Arthur. Si on lâche, Dieu sait jusqu'où ils iront dans leur demande. Il doit sûrement y avoir un terrain d'entente au lieu d'une tente sur mon terrain. Pardon? Il doit sûrement y avoir un terrain d'entente au lieu d'une tente sur mon terrain. Non. Non, ça me tente pas plus que ça vous tente, mais le terrain d'entente est inversement proportionnel au temps qu'il t'offre d'entente.
Ben, explique-moi ça, mon Pierrot. Moi, syndicalisme, je comprends rien. C'est bien simple. Si la grève finit pas avant le souper, moi, je vais le descendre, le souper, puis je vais aller leur servir dans la tente. Ça marchera pas, ta patente d'entente. Et pourquoi ça marchera pas, ma patente d'entente, hein, la sœur de ma tante? Parce que ton père l'a prévu, ta patente d'entente, le petit cousin de ma tante. Il m'a défendu de te laisser apporter quelque nourriture, que ce soit dans la tente ou dans le reste de la famille. Puis tu vas y obéir! T'as défendu à maman de me laisser descendre quelque nourriture que ce soit dans la tente? Et t'es si! Qu'est-ce que c'est votre solution au problème, Bertrand? La tente. Ben non, la tente, c'est le problème. La solution est dans le problème. La tante enlèvera la tante. Pardon? Moi aussi, je déménage. Bye! Dis-moi, non, Pierrot, où est-ce que tu l'as pris, la tante? Ça, tu le sauras jamais. Pourquoi vous lui avez demandé ça? Parce que s'il me l'avait dit, j'aurais téléphoné aux parents pour qu'ils viennent enlever la tante. Vous voulez dire la grand-mère? Non, la tante où se trouve la grand-mère. C'est-tu vraiment nécessaire, ça? Mais il faut être prêt à toute éventualité. Cette tente-là, là, un 16 plus petit, ça, puis ça s'appelle un manteau. Ah, mon Dieu! Courage, ah, grand-mère! Courage! Mais oui, Pierrot! Vous aussi, M. Potvin, là! Ben oui, ben oui! Hey, êtes-vous-en pas? Maintenant, on est trois! Ben oui, je le sais, je le sais. À cheval donné, on regarde pas la bride, hein? Non, mais aïe, mais à cheval sur moi, on regarde le kit. Excusez-moi. En tout cas, faites-vous-en pas, M. Potvin. On va la gagner, la bataille. Ouais, mais je veux pas te déprimer, Pierrot, mais dans les circonstances, là. Mais ça me semble que ça, c'est une bataille que j'aurais aimé gagner par moi-même tout seul. Non, je t'en prie, Hector. Pierrot est assez gentil pour venir nous aider. Alors? Ben oui. Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Ah. Excusez-moi. Quoi? En tout cas, moi, là. Ouais. Mais aide-moi doucement. Comptez sur moi, M. Potvin. Si vous lâchez pas, moi, je lâcherai pas. Jusqu'au bout. Okay. Fait que serrons-nous les coudes, donnons-nous la main, puis épaule à épaule. Eh oui, on a-tu le choix, hein? Vous, Arthur, avez-vous une autre solution à la tente? Tente-moi pas. Pardon. Tentez-moi pas. Hein? Le souper est prêt. Et où est-ce qu'est Pierrot? Excusez-moi. Oh. Ok, rentrez. Attention, là. Mais Seigneur. Là, là, on n'a pas le choix. C'est pas compliqué. Bon, ou on sort les sleeping bags puis les matelas, ou c'est nous autres qui sort, hein? Ben non, j'en ai une autre solution. On va aller embarquer dans nos sleeping bags dehors. Ah, c'est vrai, ça, je pense. Une fois qu'on sera embarqué dedans, on rembarquera dedans la tente. Ah, ben, c'est la meilleure solution. Ah, c'est ça. On va en sortir tout de suite. Mais il y a toujours bien des limites à la tyrannie, hein? Tiens, Là, il y en a plus une solution. Avec ta mère dans ta tête, mon vieux, on n'a même plus la place pour changer les idées. Votre mère est dehors, votre fils est dehors, votre femme est dehors, et vous me dites que la solution, c'est encore l'attente. Mais tout le monde y est dans l'attente à part vous. Comment va? Oui. Félicitations, ben, regarde ça là. C'est une tante qui vous va bien. Ah, Hector! Non, non, regarde ça. Je veux dire, ça va bien à votre teint. Il faut accepter le changement, Bertrand. Vous me faites penser à moi il y a 10 ans, là, quand ils ont lancé la mode de l'incinération. J'étais contre, je voulais pas en entendre parler. Je suis d'ailleurs encore contre, et moi-même, je ne me ferai jamais incinérer. Mais il a fallu que j'accepte que les gens fassent ce qu'ils veulent. Puis c'est devenu ma philosophie de vie. Mourir et laisser mourir. Oh. Es-tu sûr, Pierrot, là, que cette tante-là, c'est pas une vieille robe à ta mère? Hector, monsieur Potvin! Il n'y en a pas d'autre solution, Bertrand. Vivez comme vous voulez. Mais les autres aussi ont le droit de vivre comme ils veulent. Un homme a quand même le droit de faire ce qui lui tente dans sa maison. Moi, savez-vous ce qui me tenterait de faire actuellement? Non. Ça me tenterait de louer votre appartement à ma vieille mère
comme la loi me le permet. Vous ferez pas ça. Ça me tente. Oh, qu'est-ce que c'est? Yeah, t'entends? Oh, oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Oh, attention! 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 Ah, écoutez, avant, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai pensé à mon affaire et si vous voulez vivre comme des fous, c'est votre affaire. Je suis contre, mais je vais accepter que vous vous trompiez. Mais répondez-moi, quelqu'un. Maman! Je vous dis que c'est correct. Vous pouvez vivre ici avec Hector. 1, 2, 3. Hourra! Non, mais c'est si beau, l'amour familial. Oh. Oh, maintenant, Pierrot, tu peux me dire où est-ce que tu l'as pris, la tente? J'ai sport Baillargeon à 2 rues d'ici. Oh, voyons donc, maman. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça coûte un prix fou, ça. Vous savez bien que vous n'avez pas les moyens de payer ça. Oh, mais inquiète-toi pas, papa. Hein? Je l'ai mis sur ton compte. Ici Francis Rédé. J'animerai l'automne prochain une nouvelle saison du Grand Jeu questionnaire « Tous pour un ». Vous êtes un mordu de la série humoristique « La petite vie » ou encore un fin connaisseur de la vie de la princesse Diana? Vous aimeriez devenir concurrent et relever le défi sur l'un ou l'autre de ces deux sujets? Tous les renseignements dans nos stations et sur radiocanada.ca/tous pour un. Je vous y attends. Thank you.